C'est toujours un plaisir de te voir. De même. Salut tout le monde, c'est Jacques Arsenis, et donc on se retrouve pour la suite de Fable Waouh 53 000 pièces d'or. Bon, là, si j'ai pas de quoi acheter le tremblant. Je ferai de mon D'ailleurs, on m'a fait la remarque, et c'est vrai que j'ai été complètement débile. J'aurais dû tout simplement vendre mon vieux tromblon pour acheter un neuf. Un tromblon neutre avec deux emplacements en plus. Il n'y a rien de mieux. Oui, bah allez. Vous ne regretterez pas cet achat. Ah, j'ai oublié de mettre directement équipé. Capacité. Arme. À distance. Tac. Moins 27 000, c'est tout? Ah, il me semblait que c'était beaucoup plus cher quand même là. Bon, bah tant mieux. Ouais! Donc, avant de continuer la quête principale, du coup, maintenant qu'on a des thunes et tout, je vais juste avant vérifier. Je me retrouve toujours en me paumer dans le menu. Je vais voir le marchand de pierre. Voir si il a. Bah, des améliorations intéressantes, étant donné que là j'ai carrément deux emplacements. Donc logiquement, ça devrait le faire. Je devrais pouvoir mettre des améliorations intéressantes. Déjà, je pense mettre celle de feu, et je me rends compte que je parle pendant le chargement. Bon, bah, tant pis, je vous le laisse. Donc c'est celle de feu, et puis une pour le dégât, c'est comme pour l'autre, ça serait pas mal. Ou une absorption de vie, ouais. Ça serait mieux pour l'épée, d'ailleurs je sais même plus s'il y a quelque chose pour mon épée. Je sais plus si j'ai déjà mis quelque chose, mais... Non. Si j'en trouvais, je mettrais plutôt l'épée, étant donné que c'est ce que j'utilise le plus entre les deux. Comme j'ai dit, l'amélioration d'argent, pas besoin. Hein. Content de vous rendre service. Ouh, main d'or en plus à fond. Alors celle de la perfide. Il y a une offre sur cet objet aujourd'hui. À chaque coup, vous absorbez la santé de vos adversaires, profitez-en pour appliquer l'amélioration et une arme avec des emplacements vides. Ok, c'est donc un ça bel en objet. Prend. Peau de pierre, votre peau résiste efficacement aux cicatrices pour en profiter appliquer un... Ouais, bon. Alors, ça permet de brûler vos ennemis avec des dégâts de feu. Cet article est en sol. De plus, son nom est accrocheur, ne viole aucun copyright. Le jeu me connaît bien apparemment au niveau de des copyrights avec cette série. Pour profiter, appliquer l'amélioration. À ce prix, c'est offert. Je pense que c'est tout ce qu'on va acheter. Pour le moment. Parce que peau de pierre, ça peut être sympa. Sur cet objet aujourd'hui. C'est juste pour rester plus efficacement aux cicatrices, sachant que les cicatrices apparaissent uniquement si vous mourrez. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. Si amélioration main d'or, comme j'ai dit, voilà, c'est pas le problème l'argent pour moi pour l'instant. Bon, on verra bien, de toute façon, on va se rendre dans une autre ville bientôt. Et non, c'est un objet. Et dans celle-ci, il y a encore un marchand de pierre. Bon, juste avant, par acquis de conscience, on va dire, on va aller... on va aller au camp gitan. Pour vérifier s'il a pas quelque chose, même si j'en doute, camp gitan en général... Merde. Moi, je suis gouré de lieu de TP. Et ouais, le marchand en général du camp gitan, il n'y a jamais rien d'intéressant. Donc, on va quand même y aller pour dire que, à tout hasard, il est l'amélioration de la mort. Mais je me fais pas d'illusions. Ah, tiens. Tarpalette. Vous êtes mon préféré. Maître. Vous avez bon goût. Il n'y a pas mieux dans cette ville. Ouais. On n'est pas dans une ville, ça tombe bien. Youpi! Par contre, j'ai peur que ce soit fermé, là, du coup. Il y a peu de chance, ce n'est pas encore. Mais apparemment, il n'est pas à côté, donc... Ouais. Ouais, non, faut être un salaud. Ouais marchand. Au marécage.
un marécage plein de grumeaux, laiteux et allez, tu m'attrapes le premier assaut. Qui il s'agissait d'une cuillère de la taille d'un calmar. Il était dans un vous bol les échelons de géant, la célébrité. Ce petit déjeuner qu'il détestait au plus haut point. Ah, le chien, dis donc, il est beaucoup plus blanc. Hein. Vache. Là, il est bien... bien brun. Bon, tant pis, on verra ça plus tard. La quête principale avant tout, quand même. Enfin, je dis ça, à chaque fois, je passe quasiment autant de temps à faire une quête que... Il y a des quêtes secondaires. Attendez, gargouille. Il y a deux quêtes secondaires. Ouais, on va d'abord faire la quête principale. Allons-y. As-tu vu Hammer? Elle arrive elle aussi avec les informations qu'elle a récoltées. Notre ami m'a beaucoup parlé de toi. Cette nuit-là, au château. Ta sœur, j'ignorais tout. Si seulement j'avais su, je l'en aurais empêché. Désolé d'avoir mis autant de temps. Les sbires de Lucien sont vraiment partout. Tu dois être Hammer. Et tu dois être Garth, le larbin de Lucien. On m'a prévenu que tu serais sans doute très méfiante, mais je ne m'attendais pas à rencontrer une telle intelligence. Ah oui? Et est-ce que tu savais aussi que j'adore frapper les petits ensorceleurs arrogants avec ma massue? Nous ne sommes pas là pour ça. Hammer a des informations sur le troisième héros. Recueilli dans une taverne, il paraît? Et pas des moindres. J'ai fait le boulot à fond. Ok, je crois que ce type, le voleur, est un pirate appelé River. Il dirige le port de Bloodstone, au sud-ouest. C'est un ivrogne qui t'a dit ça? Oui. Il a navigué avec River pendant des années. Ils auraient volé des centaines de navires. Ça ne fait pas de lui un héros. Les pirates volent souvent des navires. River s'empare des galions avec une seule balle. Qu'il pleuve, qu'il vente, à 1 mille de distance, peu importe. Aucun capitaine n'y résiste. Plus le coup semble impossible, plus l'équipage se rend rapidement. C'est pas mal du tout. Mais on n'essaie pas de pousser Lucien à se rendre. Non, c'est vrai. Bloodstone est bordé par les Marigors sur trois côtés et par l'océan sur le dernier. Peu importe, on peut y aller par la porte de Culis. Négatif. Ça ne mène qu'à la colline des héros. Tu en as une sous la main? J'en ai une, dans ma tour. Elle pourra nous mener au Marégor. Super, tu es un génie. Elle marche? Il faudra du temps pour la démarrer, mais ça devrait aller. Devrait? Vous devez agir ensemble. Lucien a envoyé des gardes à la tour de Brightwood. D'accord, allons-y. Après vous, votre grandeur. Barbare. On dirait qu'il s'apprécie. Ah, ils ont disparu. Je pensais qu'on aurait pu faire un petit peu de chemin ensemble, mais en fait, non. Bon, tant pis. Au lieu de se téléporter, je vais quand même aller à pied... Oh, quoi que... Bon. Ça va plus vite, hein. J'ai plus de volonté. J'ai plus d'expérience de volonté. Ah, on va y aller plus... Oh bah tiens, marchand de colorant. Est-ce que tu veux un colorant sympathique? Oh, je suis ravi de vous revoir. Bleuvre. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas mieux. Ouais, bon, allez, vous avez acheté un bien bel objet. Dans le doute, ça pourra toujours servir, on sait jamais. J'ai quand même un... Ah. Oui, c'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est pas con que je me bats, que j'aille à pied. Le chien peut me donner des nouveaux trucs. Ah, la baston.
course. Oh, c'est pas mal, ça peut toujours servir. Ah, marche bien, hein. Marche même beaucoup pas mal. Allons-y. Pardon, pas trop de temps non plus. Alors, Whitewood. Toujours avec mon auréole sur la tête. Hein? Là, c'était le panneau. Ah, ils sont là. Évitons la porte principale. Les hommes de Lucien doivent nous attendre. Par là, je connais un autre chemin. Ok. Une chose aussi ancienne ne pourrait contenir de la sagesse. Je crois que nous sommes enfin d'accord. Mais faisons vite, on a du pain sur la planche. Allons-y. Je veux dire aussi au niveau des temps de vidéo, maintenant je vais essayer de faire entre plutôt 20 et 25 minutes. Vu que maintenant je peux me le permettre. Ce sera un peu plus sympa pour vous sans être trop long, pour ceux qui veulent pas des vidéos trop longues. Ça évitera de vous taper un peu trop d'intro et d'outro. Enfin. Et je pense pas que je pense que je me démerderai toujours pour faire moins de 25 minutes. Je me craindrai pas à faire des vidéos d'une demi-heure, une heure. Tout simplement parce que c'est beaucoup trop long. Puis voilà, je crois. Il y a rien. Le chien avait quelque chose, lui. Vas-y, montre à papa. Les hommes de Lucien, ils me recherchent. Ils sont entre nous et la porte de Culisse. On va devoir les affronter. Comme si c'était un problème. Bourrin spotted. Désolé si je suis peut-être un peu moins à fond dans le jeu que d'habitude, mais là, je sais pas, j'ai une petite baisse de régime, même petite fatigue. Allez, mec, amenez-vous. Merde. Mais pourquoi est-ce que... Mais je suis là, hein. Enfin, en même temps, pour une fois que... Je me plains alors que pour une fois que les méchants s'adaptent pas sur nous comme des abrutis. Et je me plains. Enfin bon. De toute façon, un Français n'est jamais content. Voilà. C'est tout. On ne tire pas, on ne tire pas. Tu vois maintenant à toi-même une obéissance aveugle. Tu trouves les pouvoirs tendus de Lucien impressionnants? Attends, prends ça. Ah, où est-ce qu'il est, chien? Captain Obvious, où es-tu? Ah. Comment t'as fait pour aller là, crétin? Ah, par en dessous. Plus un... C'est un coffre d'argent, donc logiquement il devrait avoir un truc sympatoche. 15. Je crois que j'en ai 19. Démarration, discipline, info.
Le sens pratique est étudié du combat vous rapporte plus d'expérience pendant le dans un combat. Pour en profiter, appliquer l'amélioration à une arme avec un emplacement vide. Bah, c'est bien ça, on va le mettre. C'est pas mal. Bon, par contre, je pense que ça marche que si on utilise l'arme sur laquelle on l'a équipé. Bon, j'utilise pas souvent le tromblon, mais bon. De toute façon, je finirai par en retrouver une, puis à trouver une épée avec 3-4 emplacements, ou un truc dans le genre. Donc, c'est pas le problème. Il y a la caméra qui bug. Je n'abuse plus personne. Ce bordel dans le combat là quand même hein. Ok. Ça s'appelle une barrière Hammer, t'en fais pas, c'est pas méchant hein. Ça va pas te sauter à la gorge. C'est jamais hein, une fois qu'elle a pas compris le principe de la barrière. Enfin de la rambarde plutôt même carrément hein. Alors où est-ce qu'ils sont les nouveaux méchants? Oh aïe 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 aïe. Ah, on a un capitaine, enfin un capitaine, un superbe parade. Mutant, je sais pas comment appeler ça. Ne baisse pas ta garde, soldat. Merde. Merci le chien. Donc par contre les... Comment ça s'appelle, les obélisques. Si je me souviens bien, pour les taper, il y a différentes phases. C'est un peu comme avec les espèces de sphères d'activation, si je me souviens bien. Allez, voilà. C'est-à-dire quand la sphère est en bas, il faut taper à l'épée. Quand elle est en haut, elle fait des gâteaux. Voilà. Si je pouvais pas résister, elle était trop facile. Bah, concentre-toi. Je compte vraiment sur vous deux pour me couvrir. Bah, on est là pour ça, non? Ils font des gardes. Ah, d'accord. Gardes. On fait gardes, tout le boulot gardes, pendant que tu bois un coup. Pendant que tu bois un coup. Alors, ma pause, ok? Si. Ah, voilà, un as pour un nouveau disque. Magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Un coucher de soleil est magnifique. Ça, c'est simplement effrayant. Effectivement. Légère avantage. Il remonte les escaliers. J'imagine que c'est censé me rassurer, mais c'est pas le cas. Il n'est pas seul. On dirait que son armée l'accompagne. Allez hop. Il y en a qui déboulent de l'autre tour. Je peux pas la flinguer la machine. Non. Ouais. Mais qui c'est le feu l'autre? Oh, c'était pas censé arriver. Bon sang. Merde, qu'est-ce que... Je suis en train d'appuyer pour lancer un sort, mais ça voulait pas. Ah putain, foiré. Et là, essayez de m'avoir. Merde, foiré. Retiens-les encore un peu plus. Ouais, bah, je fais ce que je peux, mais faut pas déconner, hein. Il y a du monde. Garde,
Wow. Esquive. Là tu l'as pas vu venir celle-là, hein. Et celle-là tu l'as vu venir. Oups. Je vais voir, tu marques rien du tout. C'est moi qui vais te marquer la gueule. Bon, on sourit. Aïe 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 aïe. Et boum. Allez. Je crois que maintenant ils sont au courant. Lac de merdique. Ah, je les ai carrément carbonisés. C'est cool. On y est presque. Voilà, maintenant que tu es dans le champ. J'ai vu bien pire. Allez, avant qu'ils arrivent. Ok, j'y suis presque. Allez, le dernier. Et voilà. Je vais en profiter pour y taper un peu, pour récupérer un peu de vie au passage. Faut pas déconner. Comment ça garder dans la mouise? Il se prend rien là, c'est moi qui prends tout dans la gueule. Continue comme ça. Et j'ai presque terminé. Allez, commandant. Et voilà. Quoi qu'en fait c'est pas plus mal que j'ai mis l'amélioration d'expérience sur le trombone, étant donné que c'est le truc que j'utilise le moins et j'ai le plus de mal d'obtenir de l'expérience. Pas loin. Réglage. Merde. Wow. Allez. 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 Ah. Commence à avoir un peu trop de monde, je trouve. Tu vas mourir comme les autres. En plus, ça commence à être carrément le bordel là. Genre, je me balade dans le champ électrique de la mort. En tout cas, je peux vous garantir que l'amélioration de. Ah, allez. L'amélioration de vie, elle m'aide vachement. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ma barre de vie est pas descendue en dessous de la moitié. Voilà. Comme elle l'a bourriné. Le marteau en avant. Mais oh. Vas-y. Qu'est-ce que t'attends? J'essaie de gagner l'expérience, s'il te plaît. Ça me saoule un peu que le mec arrive à balancer un sort alors que je suis en train de le taper. Passe par la porte. Tu vois ce que tu récoltes? Non mais il est mort, Hammer. Bon. Aïe, on est parti.